Bonjour à tous, je suis Sinead McLaughlin et voici votre nouveau calendrier économique de Ducascopie. Jetons un coup d'œil aux plus importantes publications prévues pour mercredi le 4 mars. À 9h du matin, on attend l'estimation finale du PMI des services de la zone euro pour février. L'estimation préliminaire a montré une forte amélioration par rapport au résultat de 52,7 du mois précédent. Le Royaume-Uni va publier son PMI des services pour février à 9h30. L'indice de janvier s'est révélé plus fort que prévu car l'activité, les nouvelles entreprises et l'embauche ont tous progressé. La zone euro va publier ses ventes au détail pour janvier à 10h. Les ventes de décembre ont surpris à la hausse car la croissance des ventes allemandes, espagnoles et italiennes a compensé la baisse en France. L'indice composite ISM non manufacturier américain, étroitement surveillé pour février, sera disponible à 15h GMT. L'indice a renoué avec la croissance en janvier grâce à une forte augmentation de l'activité des entreprises. La Banque du Canada publiera son énoncé de politique monétaire très important à la même heure. Les décideurs avaient surpris les marchés lors de la dernière réunion en réduisant le taux de référence qui restait inchangé depuis septembre 2010. La Réserve fédérale publiera son livre beige très attendu à 19h. Le rapport fournira des données derrière la décision sur la politique monétaire de la Fed et pourrait donner une idée sur l'action future. Deux communiqués de presse concernant la performance de l'économie australienne en janvier concluent ce calendrier à minuit et demi. La première, ce sont les ventes au détail qui ont légèrement progressé en décembre car la croissance avait été enregistrée dans la plupart des sous-secteurs. La balance commerciale s'est contractée en décembre à la lumière de la croissance des importations et la baisse des exportations. Cela conclut le calendrier économique pour mercredi. Rendez-vous demain pour le prochain aperçu des principaux événements de jeudi.